Et par rapport à la météo, ce qui frappe aussi, c'est l'écart des températures entre ce week-end et aujourd'hui. À Douai, par exemple, dans le Nord, on est passé de 34 degrés samedi à 17 ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous en inquiéter par rapport au réchauffement, au dérèglement climatique. Marion Fiat et Tanguy Jouard l'ont constaté ce matin. Dans ce bureau d'expertise en météo, c'est la première fois qu'on enregistre de tels écarts, c'est du jamais vu. Et les prévisions à venir n'ont rien d'optimiste. La façon dont ça s'est passé, évidemment, c'est exceptionnel en soi. C'est des phénomènes que peut-être il faudra s'habituer à observer de façon plus régulière. On annonçait que de tels phénomènes, on les reverrait peut-être dans les années, à partir des années 2050. On est déjà dedans, donc on peut craindre le pire pour les années à venir. Et donc ce phénomène va se reproduire de façon peut-être encore plus violente.